Qu'est-ce qu'un pervers narcissique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mélanie. Je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super-héros de votre vie. C'est-à-dire une personne confiante en elle, épanouie, inspirante et qui s'aime avant tout pour elle. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir, c'est la suite euh, de ma précédente vidéo sur qu'est-ce qu'un manipulateur. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un pervers narcissique. Alors, il y a la première caractéristique, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je suis désolée de sortir, et euh, d'avoir ce rôle à jouer, euh, de sortir dans l'illusion, euh, beaucoup de personnes. Euh, mais il y a très, très peu de pervers narcissiques, ou de sociopathes, ou de psychopathes. Il y a des personnes qui ont réellement été victimes, et je suis désolée pour ces personnes-là d'avoir vécu cette expérimentation euh, de pervers narcissiques. Mais c'est très isolé, c'est très très rare. Donc cette vidéo n'est pas là pour vous faire culpabiliser pour les personnes qui ont pensé euh, honnêtement qu'elles étaient victimes d'un pervers narcissique parce que on entend tout aujourd'hui sur le pervers narcissique et qu'il y a vraiment une ressemblance avec le manipulateur. Ils ont beaucoup de traits en commun mais il y a vraiment une chose à savoir de différence voire deux que je vais vous transmettre dans cette vidéo pour avoir l'esprit très clair aujourd'hui, d'accord et pour ce faire, je vous invite à voir ma précédente vidéo. Je vous l'accroche en barre d'informations sur qu'est-ce qu'un ma manipulateur, d'accord Professionnel de la persuasion, mais je vous invite à voir la vidéo complète. Et aujourd'hui, la vidéo que vous regardez maintenant. Donc la, la première caractéristique vraiment à, à prendre, c'est qu'il n'y en a que très 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 peu. C'est comme les psychopathes ou les sociopathes. C'est très rare, d'accord Donc euh, c'est pas possible que vous soyez tous euh, comme je constate, d'accord la deuxième caractéristique du pervers narcissique est la grande différence entre le manipulateur professionnel de la persuasion, euh, à ses fins exclusivement personnelles, et le pervers narcissique. C'est la dimension affective qui tranchera entre quelle case, pervers narcissique ou case manipulateur, auquel j'ai à faire face. Les manipulateurs vont sans arrêt répéter leur schéma, d'accord, de manipulation sur vous, d'emprise, de contrôle sur vous, mais ils ont une dimension affective. Empathie, remords, regrets, ils éprouvent des émotions pour autrui. Même s'ils répètent sans arrêt le contrôle et l'emprise qu'ils ont sur vous et qu'ils utilisent votre doute et vos remises en question pour vous contrôler. Le pervers narcissique n'a pas de dimension est coupée de sa dimension affective. C'est pas une personne qui a accès à ses émotions, qui est, a du remords pour vous, qui a de l'empathie pour autrui. Donc, c'est vraiment la caractéristique à vous saisir pour savoir si vous avez affaire à un, à un psycho quoi, un, un pervers narcissique ou un manipulateur. D'accord et la troisième caractéristique du pervers narcissique qui est essentielle à sa caractéristique propre, mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo. La dernière caractéristique fondamentale foncièrement du pervers narcissique, c'est que ils ont vécu une blessure enfantine qu'ils les ont coupés littéralement de leurs propres émotions, de se nourrir d'eux-mêmes, de leurs émotions. Et pour ce faire, ils ont besoin d'autrui pour se nourrir et avoir créé un lien avec les émotions. Et c'est pour ça qu'ils sont particulièrement friands des personnes émotionnelles, des personnes qui sont soleil, des soleils, des personnes qui ont de la joie de vivre, des personnes hypersensible. Donc je vous répète les trois caractéristiques. Toutefois, si vous souhaitez aller plus loin et vous faire accompagner pas à pas dans ces cas-là, je vous invite à remplir un sondage. Le lien est en description et je vous ferai une étude de profil personnalisée offerte. La première caractéristique, je suis désolée, il y en a très 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 peu. La deuxième caractéristique, ils ont pas de dimension affective. Ce sont des manipulateurs, des professionnels de la persuasion. Ils veulent vous contrôler et être, que vous soyez sous leur emprise. Mais grande différence, ils n'ont pas de remords, ni de regrets, ni d'empathie. Et troisième et dernière caractéristique, ils ont une blessure enfantine qui les ont coupés de leurs émotions. Voilà, j'espère que ça va vous aider et que vous avez apprécié cette vidéo. Euh, C'est le bon moment, si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner. Également, mettez-moi un petit pouce bleu et partagez cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo trois fois par semaine de conseils, d'astuces et de boosts de motivation pour votre quotidien. Mettez-moi en commentaire si vous avez eu une expérience et que vous souhaitez partager votre témoignage. Et puis dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé également de ma, ma vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo, à bientôt. Bye!